Dernière rencontre du groupe B lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et match nul entre la République démocratique du Congo et la Tunisie, un partout. Un score qui suffit aux deux équipes pour se qualifier en quart de finale. La Tunisie, avec une victoire et deux nuls, termine en tête. La République démocratique du Congo s'offre la deuxième place sans remporter la moindre rencontre, mais grâce à trois matchs nuls et une meilleure attaque que le Cap-Vert, tenu en échec par la Zambie et éliminé de la compétition. On passe en quart de finale de façon difficile, comme on est arrivé en qualification. On était la 16e équipe qualifiée. Là maintenant, tout le monde nous voyait partir en premier. Là, il y en a 8 qui partent. On est encore là. Donc, on va continuer à poser des problèmes aux autres. Là maintenant, c'est le Congo-Brazza. Un adversaire très redoutable avec un entraîneur plus que confirmé. Donc ça va être très difficile, mais on espère ne pas connaître le même scénario, c'est-à-dire encaisser et réagir. On espère agir d'abord.